ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا إخوتي الفضلاء الله تبارك وتعالى dit après avoir cité dans le Coran un certain nombre de prophètes dans le sens des versets en tant que messager, annonciateur et avertisseur afin qu'après la venue des messagers il n'eût pour les gens point d'argument à faire valoir devant Allah. Et Allah est puissant et sage. Allah tabaraka wa ta'ala met en valeur à travers ce verset coranique la fonction première de ses prophètes qui est l'appel et la prédication des gens à la religion d'Allah par la bonne annonce et par les avertissements. Allah tabaraka wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens des versets « Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur et avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Puis, il lui ordonna d'exposer aux gens que cette prédication était sa fonction première et celle de ceux qui le suivent. Dis, voici ma voix, j'appelle les gens à ta religion ou à la religion d'Allah. Moi et ceux qui me suivent, en nous basant sur une preuve évidente, gloire et pureté à Allah, et je ne suis point du nombre des polythéistes. Les messagers et ceux qui les suivent sont ordonnés d'appeler les gens à l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et à son obéissance. Ils sont de même obligés d'avertir contre le polythéisme et la désobéissance à Allah. Ceci est une place honorable. Et ceci est un rang élevé pour toute personne à qui Allah aura facilité ce chemin de la prédication selon la manière qui le satisfait. Les gens vertueux de tout temps ont emprunté ce chemin avec assiduité dès lors qu'ils ont saisi la valeur de cette chose importante. Ils n'ont pas simplement marché sur cette voie, mais ils ont couru et pressé le pas. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets. Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte. Et il dit, ô mon peuple, suivez les messagers. D'après Sahr ibn Sa'd al-Sa'idi, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'adressa à Ali, afin de l'envoyer dans le fort de Khaybar, pars de manière modérée. Et dès lors que tu seras arrivé sur leur place, invite-les à l'islam et informe-les de ce qui leur est obligatoire d'accomplir vis-à-vis du droit qu'Allah a sur eux. Par Allah, si Allah guide par ton bien ne serait-ce qu'un seul homme, ce site est préférable aux plus belles chamelles rouges de cette vie d'ici-bas. D'après Abi Huraira radiallahu anhu, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui appelle à une guidée recevra une récompense similaire à la récompense de tous ceux qui la suivront, sans pour autant que la récompense de ces derniers soit diminuée. Regardez cette faveur immense. Le prédicateur qui appelle à la religion d'Allah reçoit des récompenses pour toute personne qui suivra cette prédication à la condition qu'elle soit basée sur la vérité, qu'il soit sur son lit, qu'il soit occupé et affairé à ses affaires personnelles. Il ne cesse de bénéficier de ses récompenses même après sa mort. Et ceci demeurera ininterrompu jusqu'au jour du jugement. Il est obligatoire que les prédicateurs et autres appellent à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il est obligatoire qu'ils sachent que cet appel est un appel qui s'adresse au monde entier, qui doit être propagé et qui doit parvenir à tout le monde d'Orient et d'Occident.
afin que l'argument soit établi à l'ensemble des serviteurs et que la prédication et le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam parviennent à l'ensemble de ceux vers qui il fut envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le sens des versets: et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Les prédicateurs vertueux et héritiers des prophètes ont réalisé cette réalité. Ils se sont levés et ont éclairci aux gens leur religion, et ceci par obéissance à leur Seigneur. Allah dit dans le sens des versets: que soit issu de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Cheikh Ibn Baz, rahimallah tabaraka wa ta'ala, a dit: ce qui est obligatoire pour toute personne capable, parmi les savants, les gouverneurs des musulmans et les prédicateurs à Allah tabaraka wa ta'ala, est l'appel à la religion d'Allah, afin que le message parvienne à l'ensemble des gens sur terre. Ceci est la transmission du message rendu obligatoire par Allah jalla jalalu. Allah tabaraka wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens des versets: ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Il incombe au messager de transmettre, et il est de même de l'ensemble des messagers et de ceux qui le suivent. Fin de citation. Chers frères, l'islam n'est ni plus ni moins que la salafia. Cette salafia tant attaquée à notre époque. Et la salafia n'est ni plus ni moins que l'islam. La salafia n'est pas un parti, n'est pas une secte, n'est pas un groupuscule, n'est pas un mouvement politique. La salafia n'est pas une organisation terroriste ou autre. La salafia, c'est une da'wa, c'est une prédication à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est la prédication au tawhid, à l'unicité d'Allah, sur tous ses aspects. C'est la prédication à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam correctement. La salafia appelle à tout bon comportement, à toute bonne valeur, et réprouve tout mauvais comportement et tout mauvais trait de caractère. La salafia encourage le respect des engagements, la franchise, la bienfaisance, la bonté, l'entraide, l'humilité, la générosité, la mansuétude et la pudeur. Tous ces traits de caractère que possédait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons et ceux qui les ont suivis dans l'excellence. Et cette salafia, tant décriée à notre époque, c'est celle qui réprouve le mensonge, la calomnie, le colportage, l'avarice, le désarroi, la dureté, l'envie, la haine, la rancune, la trahison, la ruse. Tous ces traits de caractère que possède toute personne éloignée des enseignements prophétiques et de ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Nas'Allah tabaraka wa ta'ala أن يهدينا ويهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا فاقدا إلا أعطيته ولا جاهلا إلا علمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وألحقنا بالصالحين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقل رب زدني علماً.